Yo tout le monde, c'est Tiob, ravi de vous retrouver pour cette 21, pour ce 21e épisode Rome de Total War. On joue les Alain. On avait réussi à débloquer la partie précédemment, à l'épisode d'avant. Enfin, les débloquer est un bien grand mot, hein, mais on a réussi à plus ou moins débloquer tout ce bazar. Alors, on s'est arrêté où? On s'est arrêté, il y avait quoi? Pas censé avoir une armée. Ah oui, oui, effectivement, ouais, on avait perdu Gazaka un temps. Alors, on venait de la reprendre. De reprendre le village. Oui. J'ai pas un petit champion qui traîne par là, moi? Il est où, mon champion? Ah, il est là, champion. leur assassinat, est-ce que ça passe? Très très faible. On va faire un petit... un petit raid. Parfait. Voilà, comme ça, ça baisse bien les nombre de personnes qu'il y a dans la garnison. Ce sera plus facile pour l'attaque. C'est parti. Changement de tour. Notre allié romain qui casse du palmier. Pas encore dit sassanide, mais qui casse bien du palmier. Ah, il s'est fait reprendre le sud. Non. Non, ça prend. Oui, il faudra aussi s'occuper de l'Est, hein, mais évidemment. Ok, Rébellion, voilà. Ah, ici. Ah, là, c'est le monde drôle. Sérieux? Ah, purée, Dominos Romaine. Bon, on va faire un bastion du chef. Voilà, ça augmentera le moral. Et on va très très vite envoyer mon armée à Trimontium. Voilà, ça devrait être bon, le tour d'après, il devrait être arrivé. Bien évidemment, ça fait que ici, bah, on n'a plus personne. C'est risqué. Ah si, il a précidé, hein, on est d'accord. Il a précidé. Voilà, j'emmène le brûleur de yurt à Pessinus. Ça va remonter le moral et prévenir d'une attaque, possible attaque, hein, contre Sidé. Et avec les villes coyotes et ma reine, je vais prendre Iconium. Voilà, j'essaie de faire un petit peu de sabotage, un petit raid. Ouais, très très bien. Ils sont à peu près la moitié. Hein. Ouais, et puis personne ici, c'est du gratuit, mode équilibré. Et bien évidemment, on rase. Voilà, mettez. Voilà, la Palmyre, c'est bien compté comme une faction romaine. C'est parfait. On a fini ou pas? Non. Allez, on finit là-dessus. Ça fera pas de mal. Les belles mis. Ok. La force d'appui. Attention. Là, on a du monde ici. Et je vais ramener cette armée avec Batane. Hein, parce qu'on voit qu'il y a les enfants de Xerxès. Une armée complète d'ailleurs. Donc faire très attention. Est-ce que je peux recruter? Pas très très intéressant tout ça. Attention la Bactrie ici. Il va me falloir monter une autre armée. Établir l'héritage. Les cartes sur table. Voilà, on fera un petit recrutement. Un bon recrutement d'ailleurs. Et là, vous savez quoi? La Bactrie m'a envoyé des unités là. Je vais aller sur Accour. Je vais accourir. Au moins ça me fait rire les gars, désolé. Hein. Mais c'est le genre de blague que j'adore. Ok. Ah mais Ville Coyote qui a encore pris un niveau, ça c'est bon ça. Bien joué ma reine, bien joué. Allez, niveau maximum d'ailleurs. On va augmenter le moral. 21% de morale, ça c'est beau, ça c'est bon aussi, la vache. Voilà, c'est très bien quand ça se passe comme ça. Là, il a pris Rod. Ok. Bon, juste faire gaffe à Sidé, hein. S'il peut pousser jusqu'à Épaisse et Rod. Voilà, comme ça, ça tiendra un peu occupé le Romain. Sachant qu'il a toujours une armée à Tyros. Ah,
attention quand même à la légion d'Alat. On va passer le tour. On va passer le tour. Ouais, je suis obligé de recruter encore une armée. Hein, et évidemment, je suis en grande infériorité numérique comparé à tout le monde. Déjà que, tu sais que des unités de cavalerie, c'est 80 maximum. le calcul est vite fait. Rébellion. Ah ouais. J'ai quand même une rébellion malgré le déplacement de mon unité. Écoute, moi je connais la méthode suprême. Hein. Vous allez les perdre. Voilà. Simple, efficace. Oh, et puis le up, magnifique. On retourne à Piscinus bien évidemment. Faut pas déconner. Et administrateur politique. Voilà. Lui, on va tenter un assassinat. Voir quelles sont mes pertes. Ah, j'aime pas. J'aime pas, un peu trop de pertes là, à mon goût. On va attendre qu'il bouge. On va le faire réagir. Je sais pas encore où, je sais pas encore comment, mais on va essayer de le faire réagir. Voilà, bien évidemment. C'est pas ceux qui étaient là. Hein. Ah non, c'est une autre armée. Là, va falloir vite monter des unités. Parce que. Après, là, il va être obligé de courir un tour. Allez, je vais monter en urgence quelques unités. Ah, elles sont pas très très développées, c'est dommage. Le cataphractaire. Destriers royaux. Allez, on va espérer que ça suffise. On continue d'avancer à court. Voilà, il faut absolument embêter la Bactrie. Qui envoie des unités gratuites chez moi. Bon, il y a les Sassanides aussi, hein, mais bon, surtout lui. D'ailleurs, parce que là, on en est bien. Mais bon, ça me permet de reconstituer cette unité, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Oui, là on avait toujours le problème Trimontium. Ah, des rebelles. Ça ira mieux avec la montée de morale que j'ai fait. D'ailleurs, on en profite un peu partout. Pas le choix que de passer le tour, hein. S'ils attaquent, bah, on perdra une ville. S'ils attaquent pas, ils ne prendront pas de ville. vous allez me dire élémentaire. Élémentaire, mon cher. Oh zut. Je me suis vraiment raté pile devant, quoi. Bon, c'est pas très grave, hein. Je pense que ça va courir. Blablabla. Ah zut. Et non, elle est si longue que ça. Pardon, il est si long que ça le chemin. Renversement, faction détruite, blablabla. Elle est pas. Bah, carrément ici, ouais, ça va les gars. Tranquille. Ça va, vous me dites hein, si je vous embête. Hein. On va recruter les mercenaires. Hein. Voilà. On va aller l'embêter un coup. Peut-être qu'ils vont prendre Tigrano Seta. Certa. Écoute. C'est pas non plus. On va retenter un assassinat ici. Non, ça veut pas, décidément. Bah, je vais y aller avec les deux armées. Écoute, quand une ne suffit pas, il faut prendre les deux. Résolution automatique en mode. Équilibré, voilà, 12% de perte.
Pour As, bien évidemment, on a besoin pour le succès. Il faut que je retourne dans une ville, pourquoi? Parce que ça. Infâme. Allez, on refait des bâtiments. Ah zut. Je vais pas avoir assez d'argent pour là. C'est pas grave. Ici, avec cette petite armée. Les flèches de. Guadoziros. Hein. On extermine les rebelles romains. Les rebelles latins, pardon. Si on relâche, ça fait de l'argent. Ils ont couru loin. Hein. Et voilà, on n'en parle plus. Ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Je vais voir s'il y en a qui ont up. Non. Ici, bah écoute, eux ils bougent pas. Ouh, il y a du monde. Bah allons piller un coup. Hein. Ils ont pas l'air d'être motivés. Hein, donc, je viens de rester là les gars dans votre forme et moi je bouge hein. En attendant on voit on a de l'assassinat à faire hein. Purée pour parler poliment. Ah bah enfin ah zut. Alors j'ai vu que là ils ont pas continué. Que je fais, je continue le recrutement. Voilà. Ouais, ça va être compliqué niveau argent, c'est pas très grave. Là, le moral il est à la hausse. Il restera, je pense, un moment à la hausse. Ici, on est culture dominante. Ouais. J'ai vraiment que cette province-là qui est à la baisse. Oh! Ah oui, mais insalubrité épidémie, ouais, c'est pour ça. Pareil, Galatia et. Ah non, ça, je viens juste de prendre. Ah bah, ça va repartir en rébellion, lui. Bon, en même temps, c'est pas non plus très grave, j'y suis. Allez, terminons ce tour. Terminons ce tour. Palmyre a repris Edess. On va faire attention quand même. Ça attaque. Avec énormément de cavalerie. 1, 2, 3, 4, 5 unités à pied. 5 unités à pied avec cavalerie et éléphant. Alors, on va la jouer finement. Du moins, on va essayer. Je vais mettre derrière toutes mes unités au corps à corps. Et je vais partir en escarmouche avec l'unité de cavalerie. Toutes mes unités de cavalerie, voilà, le but étant juste de faire des pertes. Oh, archer royaux, ah ouais, il a une grosse, grosse armée là, ça c'est une énorme armée. Peut-être utiliser un peu mes cataphractaires. Voir s'ils veulent foncer sur mes piquets dos à la barrière et. Me faire une retraite hein, dès que je vois que ça devient un peu compliqué. Voilà. Allez, je mène la bataille sur le champ, bien sûr, elle est disponible en fin de vidéo. Sinon, on se retrouve de suite. Ça m'a mis mal, ça m'a mis très mal. Enfin, c'est une défaite de justesse, mais. Ouais, j'ai perdu quand même la moitié de mon armée. Quoi. Ah, les armées de mercenaires, hein. Enfin, c'est une armée entraînée, forcément. Hein. Ouais, ça sert à rien que je la joue ça. Hein. Le jeu en équilibré, bon bah ils auront pas attaqué de ville déjà, c'est pas mal. Ce serait bien s'il a pu fuir lui. Non il a pas pu fuir. Bon bah j'ai perdu mon général, c'est pas grave. Enfin ça me fait chier mais. Ah il continue. Ah bah il a de la portée mon cochon celui-là. Hein. Bon bah révolution autour. Hein. Ah bah je pensais pas qu'il avait autant de portée, écoute.
Le mec est en TGV. Ce gars est en TGV, bah c'est comme ça. Là je suis un peu vert quand même. Il s'est baladé aux quatre coins de la map, mais il a toujours de la portée quoi. Pas ouf. Ah ouais non mais s'il te plaît. Il va falloir qu'il se calme un peu. Bon. Là. Qu'est-ce qu'il me fait? Il fait un siège là. Bah écoute. Mission agressive. Hein. Allez, si tu veux bien accélérer. Allez, accélère le boiteux. Voilà, on libère. Et surtout, on exécute. Hein. Je veux pas l'avoir venir de sitôt, cette armée-là. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on prend la cure. Voilà, résolution automatique. J'ai bien envie d'aller faire un trou. Apparemment, il se préoccupe pas de la skia ici. Et ben, moi, je vais m'en occuper. Je peux vous dire. Non, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Et ça, j'en veux pas. Donc, je vais me curer. Où est-ce qu'il y a de l'argent? Ici. C'est parti. J'ai pas eu de rébellion, ça m'étonne ça. Ah si, voilà. Je me disais aussi. Ah bah, t'es sûr hein. Bon, je vais laisser Rome s'occuper de lui là, c'est pas le mien. Il va falloir que je fuse un peu. Je manque à peine de portée, mais là avec les agents ennemis, j'ai pas trop envie de. On a combien là? 3, ouais, c'est pas ouf. Moins 5. Je vais rapporter cette armée. D'accord, ça met du temps. Ouais, mais là si je pars, ça va faire beaucoup beaucoup de. De morale en moins, ça c'est pas bon du tout. Faut recruter ça. Non, pas de suite, ça coûte cher. Ça coûte cher, mais à la fois j'ai pas trop le choix, ça c'est embêtant. Est-ce que j'ai de la portée? Non, bah non, je peux pas me déplacer. Je vais sûrement perdre cette ville là. De manière temporaire, bien évidemment. Voilà, le temps que je rapatrie un peu mes armées qui étaient à l'ouest. Ah, j'ai pas de tour à perdre, c'est ça qui est chiant. C'est ouais. C'est quoi? Je prends le risque. Je prends le risque. Direction Tigrano. Non. Karna. Ça me rapprochera un peu plus rapidement. S'ils vont là, ça me va parce que c'est. C'est fortifié, le temps qu'ils le prennent, bon ça va leur faire perdre du temps. Faut de l'argent. Voilà. Voilà. Développer un maximum l'activité minière dans un premier temps. Ouais. Non, mais pas à Karna du coup parce que. On a vite fait de la perdre quoi. Ici. Voilà. Là, niveau moral, on est bonheur, on est bien. Et il nous reste encore un peu d'argent, ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Je peux monter une autre armée, je sais pas, oui. Bah, je vais en monter une autre. Voilà, je fusionnerai avec l'armée en dessous en tant que renfort. Hein. Bien évidemment. Hop, j'ai ce qu'il faut en 4 facteurs. Allez, des archers. J'ai ce qu'il faut en corps à corps, moi ça me suffira ça. Voilà, 7 unités corps à corps.
Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, je suis près que ça. Si tu veux. Quoi ça? M'intéresse pas. Relâche, ça nous fait de l'argent, bien évidemment. On va pas le mire. Devrait aller, ce qui va nous faire. Ce qui va nous embêter, pardon, ce sont les Sassanides hein, qui vont très sûrement réattaquer une ville. Voilà, bingo. Karana, eh ben j'ai bien fait de pas construire la mine, hein. Je voulais faire une mine avec eux, hein. J'ai bien fait de pas la faire. Bon, en attendant, ça fatigue leur armée, c'est pas si mal. Qui se refait très vite, hein. On va pas se mentir, apparemment. Hein. J'ai moyen de les défendre ici, donc je vais pas la, je vais pas les laisser prendre comme ça. Je vais mener la bataille sur le champ. Disponible bien sûr en fin de vidéo. Et sinon, on se retrouve de suite. Allez, merci de passer, Mariana. Au revoir. Ouais, bon, bien évidemment, il me rappelle que j'ai perdu cette ville. C'est gentil. Oh, il manque que dalle en plus pour la porter. Alors, allons reprendre Artaxa petit à petit. Là je vais devoir monter, oh regardez j'ai plus d'argent, c'est moche, rébellion imminente. Et la tête Cappadocia. Ok. Ah ouais. Hein. Ah non. Ouais mais c'est, oui c'est ici. Hop, on bascule. On n'aura pas de rébellion. Bon, pas de suite. Ok, ça reconstruit, très bien les gars. Bah écoutez, résolution. Pas reconstruit quoi, faites l'effort au moins. Ah. Bactrie, il ouais, n'y a plus grand chose ici, pareil, il n'y a plus grand chose. Là, je pourrais en faire de... là, je pourrais faire de développer cette province agricole, bien évidemment. Si tu fais ça, hein. Je fais un puits vraiment. C'est pas un puits qu'il faut que je fasse. Revenu agriculture, agraire. Allez, je vais faire du bétail ici. Ouais, ça va être full agriculture. Je vais faire du bétail à fond. Et. On verra pour les autres plus tard ici. Ouais. Troupeau de moutons, allez. Ok, lui, il se charge de pas le mire. Comme on avait vu, ça c'est plutôt cool. Je me rapproche, hein, je vais à Césarée. Je me rapproche au cas où il y a une surprise par là. Ici j'ai toujours mon armée hein, pour empêcher une petite révolte surprise. Voilà, là, ils vont sûrement prendre Samosate. On va retourner sur Atraxa. On verra. Mais qu'ils viennent sur Trapezos, je les attends de pied ferme là. Hein? Allez, viens me voir non. Viens me voir. Allez, on passe ce tour. Pendant que le tour passe, je vais arrêter l'épisode. Mitigé. Un épisode mitigé. Bon, j'ai quand même pris de l'Est. Voilà, c'était prévu, c'est pas grave. J'ai quand même pris l'Est. L'Ouest est sécurisé. On a un petit percé au niveau du centre. Mais en soi, là, on dégomme une de ces grosses armées. Hein. Donc, c'est pas non plus mauvais. Voilà. Alors, là, ils attaquent Gazaka. Mais bon, bah. Ils auraient dû attaquer Fraspa. Ils ont moins d'armée, hein, clairement. Et on va vite fait reprendre là, quand même, avant la fin de l'épisode. Alors, Samosate, merci d'être passé.
C'est quoi? Encerclé. J'ai plus de perte par rapport à ça. On reprend pendant qu'on y est ici, moins de pertes possible. Même si eux ils sont pas entraînés, donc c'est pas. On occupe, je sais pas s'ils ont rasé. Ah, ils ont refait à leur sauce, hein, les salauds quoi. Bien évidemment, du bonheur. Ici, on a une très très belle vue du coup sur tout ce qui peut, ce qui arrive, etc. Ils sont en pillage là. Ah ouais, ils sont motivés les gars. Ah, il est désarmé, hein. C'est compliqué. En arrière. C'est pas très grave. Qui essaie d'attaquer donc. Qu'on rigole un coup. Ah! Ah, va y avoir plein de bas-quartiers là, c'est pas bon tout ça. Est-ce que je peux en faire plein? Ah, j'espère qu'il va pas y avoir de bas-quartiers. Hein. Bref, on va s'arrêter là. Donc j'espère à tous que vous avez, ça va, pardon, que ça vous a su. Je la refais. J'espère à tous que cela vous a plu, que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Bien évidemment, demain vendredi. Ah non, bah non, demain samedi. Demain samedi pour vous. Oui, 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 demain. Donc pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Non, bah non, demain vendredi, je suis bête. Hein. Ouais, demain vendredi. Oh, la pire outro. Allez, c'était Thiam. Ciao! C'est une plaine, donc c'est à mon avantage, bon, c'est un avantage à tous les deux hein, d'ailleurs. Je mets les montagnards comme ça derrière. Formation piquée. Unité légère et moyenne en plus. Tac tac, je mets les archers comme ça. Ouais super. Ça n'a pas du tout suivi l'ordre que j'ai demandé, c'est dommage. Comme ça, on va affaiblir nos côtés, mais c'est pas très grave. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Ouais, le désordre, effectivement, on est dans le désordre. Ensuite, mes unités là, cavalerie corps à corps, on les tient prêtes. Une petite colline là, ça pourrait être intéressant. Non, voilà. Ah si, ça pourrait être intéressant dans ce cas là. Ah. C'est quoi, j'ai l'unité légère, là j'ai une unité légère, c'est pas grave s'ils y passent. On va mettre des boules de feu, ça c'est efficace. Bien joué, c'est très très efficace, surtout là sur une descente comme ça. Hop, on va mettre ça là. Toutes mes unités en territoire escarmouche et pas monté. J'ai refait les rares encore. C'est fou ça. Zout, là, hop, alors, je m'en pose le temps de... Voilà. Faire le premier ordre. Et c'est parti. Alors le général, pas trop bonne idée quoi. Pour le reste ça me charge déjà. Remonter les gars, sur mode garde. Hein. Ok, tout ça là c'est bien. Lourd, aïe. Ils ont de la défense les salauds. Ils ont une bonne défense les salauds. C'est quoi ça? Ce sont les tirailleurs, très bien. Le recul le plus possible, hein, le but étant pas d'avoir de pertes. Enfin de pas avoir des pertes bêtes. Ça évite le contact. Ok, là ils sont seuls. Allez hop. Non, ils sont pas seuls. On va faire bien
attention. Là, le problème, c'est que si je les lâche, j'ai mes unités là-bas qui attaquent en plein dans le tas. Faut que je lâche avant l'arrivée de la cavalerie. Ouais, pas le choix. Allez, maintenant. Donc là, on recule vite, 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 vite vers nos unités corps à corps là-bas. Si on peut pouvoir courir sans se faire attraper, ça c'est une autre question. Oh là là, le trou, oh la vache, ça c'est bien par contre. Ouais, les unités corps à corps, c'est pas très très grave si elles prennent des dégâts. On recule. Faut pas hésiter. Hein. Gratuit là, ils se prennent des dégâts gratuitement. Ils ont pas la portée là, honnêtement. Oui, ils vont encore à corps. Hein. C'est tout ce qu'ils font en munitions quoi. Voilà, poursuivre ceux-là. Sérieusement, aïe aïe. Allez hop, on décale vers le bas, enfin vers le haut, au choix, ça dépend du sens dans lequel vous regardez. Vous avez pas des éléphants quelque part? J'aimerais bien les... Ah, ils sont là-bas. Ouais, je vais aller essayer d'énerver les éléphants, ça peut être une bonne chose. Ça peut être une très bonne tactique, ça. Manque de bol. Ils vont se faire prendre sur le côté. On va voir comment ça se passe. Allez, allez, on tape les éléphants, les gars. Allez, on fuit. Alors, on fuit, mais sans fuir. Hein. Voilà. Même principe. Allez, on va corps à corps là parce que bon, ils sont totalement perdus. Vous les gars, allez hop, on tourne, on se met comme ça. Alors, on lui fait peur, ça lui permettra de partir. Attention à la charge ici, alors on se met bien de face, ça lui permettra de mieux la voir. Oula, alors eux là, il faut vite les faire partir par contre. Un coup de raco, ça les fera fuir. Oh 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 oh, alors là les éléphants fuir. Allez dégage. Allez. Tu vas à cheval. Ah, vache. Alors attends, voilà, peut-être réveiller. Là il est toujours d'accord, oui, là-bas. Eux on les fait fuir. Voilà, le général il risque plus rien. Là on a les piquer là, c'est pas trop mal. Enfin c'est pas trop mal. Ah eux là il a réussi à les faire fuir, ça c'est bien aussi. Il n'y a pas une unité là-bas. Non. Pas touche. C'est qui ça? J'ai envie de voir, c'est pas grave. Je pense qu'il va falloir faire une fuite ici avant que ça parte trop. Allez, avant d'avoir trop de pertes. S'ils veulent bien. C'est quand vous voulez. On a eu pas mal de pertes. Bon, lui on a fait aussi, ça c'est pas trop mal. On a gardé de l'unité à distance? Non, pas beaucoup, ouais. Ça sent pas bon. Alors, c'est parti pour la petite défense. Ça va être compliqué. On va tout donner. Bien évidemment, interrupteur escarmouche, voilà, on les met en pleine ville. Et là, son unité générale devrait aller.
devrait être la première arrivée. Donc, on se met en mode garde. Ensuite, on laissera les unités au corps à corps aller au corps à corps, j'ai envie de dire, hein, de côté. Et on attaquera la cavalerie, les tirailleurs ensuite à la fin. Enfin, avec la cavalerie, on contournera pour attaquer par derrière les tirailleurs. Ce qui fera une grosse baisse de morale déjà entre le général et, la cavalerie, les tirailleurs en fuite. Allez, on tire, ce serait bien si on pouvait en tuer quelques-uns avant qu'ils arrivent trop près, non? Une victime, ça y est. Il fallait être patient. Qu'est-ce qu'ils foutent? N'importe quoi. Hein. C'est en mode. C'est pitoyable à voir ça. Allez, feu à volonté, bien évidemment. Eux, là, on leur dit d'aller au corps à corps. Voilà, on essaie de. Le plus de pertes, bien évidemment, possible. Alors là, les tirailleurs, faut pas qu'ils arrivent à. Purée. D'accord, ce sont mes unités qui sont en train de fuir. Faut tirer là, sinon peut-être. Non, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu départs pas aussi loin, toi, débile. Mais enfin, mais. Alors, tu peux tirer, t'as la portée, mais tu ne veux pas. Tu m'expliques, s'il te plaît. Toi, tu tires? Non, oui, peut-être. Non, t'as pas l'air du tout de tirer. On a rien à faire. Hein. L'escarmouche là, hop, on la retire et on va attaquer au corps à corps, hein, parce qu'apparemment là. Là, yes. Hop, corps à corps, pourquoi corps à corps le plus rapidement possible? Simplement parce que je suis comme ça, les autres unités, bah, elles iront pas l'attaquer à distance en fait. Les tirailleurs là, ce sera pas bon bouzou pour eux d'aller à distance. Allez, c'est quand tu veux. T'es obligé de passer par là, là, sérieux? Regarde, t'as un passage là, juste là. T'as un trou en plein milieu, tu veux pas y aller? Mais. Allez, voilà, on charge d'un côté et de l'autre, ça c'est parfait. Voilà, il a perdu son général, c'est la débandade. Ou alors toi, non, toi tu vas pas. Allez, bien sûr, on ne laisse pas partir. Alors, je retire le mot de volonté parce que voilà. Ok, et toi tu forces celui-là. Allez, à tout de suite. Là, ils sont un peu trop barrés loin déjà. Donc, voilà. Toi tu forces celui-là et ensuite tu iras pour celui là-bas. On attend un peu. Non. Ici, y a-t-il des fuyards? Oui. Toi, y a-t-il des fuyards par là? Ça a pas l'air. Ah, si, là-bas. 70? Eh ben, purée. Ils sont nombreux, les salauds. Ah, ouais, ouais, ils sont vraiment nombreux. Ouais, ils sont à peu près de la zone de la sortie zone 2, quand même. Après, ils sont poids moyen. Ah, ça devrait arriver. Oui, c'est bon. Voilà, ne fuyez pas, ça ne sert à rien. Pauvre fou. Hop, coucou. On va suffire là, non? Il reste combien? 12, allez, la dizaine mini. Parfait. C'est une belle victoire.
une très belle victoire. Hein. 1 contre 2, on les dégomme. C'est justesse. Voilà. T'as pas le goût du beau, tu n'as pas le goût du beau le jeu.